Voilà, c'est comme ça t'est passé. Côté toute bagarre était bien faite, tout le monde était satisfait. Eh bien, dans le jour qui était 13 mars 1990, eh bien, c'est le ça, général et Erard Abraham, eh bien, il était remettre pouvoir là à Madame Etta Pascal Touyo. Nous pas parler en pile, n'a simplement quitté avec image. Et côté et général Erard Abraham a promis le pouvoir, et côté Madame Erta Pascal Touyo, il était accepté le pouvoir. N'abtonnez Madame le Président, Excellences, Messieurs les chefs de mission diplomatique, Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs les représentants du corps consulaire, autorités religieuses, Messieurs les membres du Haut Commandement des Forces armées d'Haïti, officiers, sous-officiers, soldats des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants de tous les secteurs de la vie nationale, peuple haïtien, les Forces armées d'Haïti, il y a près de 72 heures, avait la mission précise de préserver la souveraineté nationale aux fins de créer des conditions propices à l'installation d'un président provisoire civil. Madame le Président, la franche collaboration reçue de tous les secteurs intéressés, votre acceptation du choix qui a été porté sur votre personne ont permis aux forces armées d'Haïti, dans le délai imparti et dans l'honneur d'atteindre cet objectif. Première femme juge, première femme présidente de la République d'Haïti. Vous êtes appelés, plus que toutes les autres, à puiser dans le patrimoine national les ressources nécessaires à l'exercice de la haute fonction à laquelle vous venez d'accéder. L'armée rentre, pardon, est restée dans ses casernes. Maxime, nous choisissons pour mener bas pays sans perdre du temps. Moi, accepte charge nous ça pour toute femme haïtienne qui, pour la première fois, rentre dans l'histoire pays noir. Nous-mêmes, femmes haïtiennes, nous connaissons tout sacrifice, maman petite quitte la caille. Moi, quoi, avec patriotisme, avec amour, yon femme vient avant tout bagay. C'est peut-être ça, courage moi, avec tout courage moi, m'accepter le travail lou ça. Comme président provisoire République d'Haïti, à concours Conseil d'État, à concours l'armée, qui étant déjà montré patriotisme, il est prêt pour garantir sécurité de toute famille, bah nous garantir ma respecté constitution à tout accord pays d'Haïti signé avec pays étranger. Moi, prends engagement aujourd'hui à même pour nous travailler sans prendre souffle, pour nous mener le pays à bon port. Travail moins, c'est faire élection yo, sans perdre du temps, pour tout le monde gagne un gouvernement définitif, peuple a gagné pour choisir. Pendant petit temps moins vin passer, hein, m'a fait tout ça capable pour me faire administration l'État yo travail comme il faut.
connaissant de vous-même, à connaître thème qui bon fierté haïtien, frère Maxime Yo, gouvernement représenté aspiration et espoir. Je n'ai pas de l'autre ambition, l'aime rentrer dans le cas du peuple là, par les nationales là. Moi, j'ai un seul but, mettez au service tout le monde à la ronde badé. Avec tout courage, moi, avec toute confiance, nous mettez dans moi, je travaille sans arrêter pour nos titans, nos bons moyens, pour me laver figu pays qui est trop laide. Moi, j'ai décidé de lever escorte figu pays à tout le monde. Frère Maxime, mettez tête nous ensemble. Sauver héritage dans cette nouille, quitter pour nous. Merci. Voilà, c'est comme ça. Et Madame Etta Pascal Drouet, bien, elle était acceptée pour le prendre pouvoir là, pour le TK organiser élection présidentielle. Et tout de suite, nous connaissons, il y a un conseil d'État qui est formé et qui est abjuré ensemble avec Madame Pascal Etta Drouet pour voir là. Mais il y a un pile candidat et qui est inscrit parce que tout de suite, nous avons gagné un membre de l'ONU, observateur, qui a commencé à débarquer là. Pendant que nous avons parlé là, nous avons tout suivi l'image côté observateur, nous avons commencé à entrer. Mais nous avons gagné un secrétaire général de l'ONU, lui-même qui a pris la parole et qui a forcé à parler créole. Côté monsieur a dit deux mots en créole pour l'élection en 90 ans, pour le capable d'une élection qui gagne succès pour peuple haïtien. Et n'a quitté avec le secrétaire général de l'ONU, n'a tourné d'aller. 15 sont en visite au pays. Ils sont arrivés mardi soir pour s'informer sur le processus électoral. Il s'agit de M. Baena Soares, secrétaire général de l'Organisation des États américains, et de M. George Price, premier ministre du Belize. Ils ont été accueillis à l'aéroport par plusieurs ministres et des membres du corps diplomatique. Le secrétaire général de l'OEA en est à sa deuxième visite à Port-au-Prince. Content un peu pour l'occasion moins gagnant aujourd'hui pour visiter Haïti encore. Ça fait moins un peu plaisir que l'organisation OEA capable d'aider pour l'élection qu'a faite honnêtement et en bonne condition. Secrétariat OEA paraît pour aider pour nous arriver à une élection démocratique. Merci un peu. Eh bien, c'est comme ça, l'élection vient organiser en pile candidat. Nous avons gagné et FNCD, qui a gagné et Vince Paul, qui a gagné et Tuneb Delpé, et qui a gagné tout, Victor Benoît, monsieur ça a été choisi pour te représenter FNCD. Dans le moment, Victor Benoît a accepté, mais il faut que tu aies Mac Bazin. Mac Bazin était pour MID. Tu as Hubert Déonstré, MND, comme ça. Tu as Leslie François Maniga et un pile candidat qui a participé dans l'élection 90 ans. Mais c'est comme ça, et nous avons gagné tout, et Roger Lafontaine, qui sorti en exil, côté que monsieur est venu entrer dans la bataille là, et monsieur a gagné plusieurs autres parties qui ont fait groupe ensemble avec lui, même nous parlons de groupe 57 là, de groupe 12, et bien au même tout, il a gagné un groupe tout qui était nommé et pour représenter comme la partie secteur, les Makoutlan, qui c'est Roger Lafontaine qui était représenté partie du Valier Island. Alors, et tout de suite, nous avons Evans Paul, Tuneb Delpé, Yote Chita ensemble avec MOP, Yote a cherché une solution. Et sincèrement, yo pas gain le choix, puisque yo avez besoin d'un monde qui était très populaire dans le pays d'Haïti, parce que Victor Benoît pas capable en face Roger Lafontaine, pour Jean Roger Lafontaine te paraître avec force là. En pile candidat,
Et nous ne pas même parler de Silvio C. Claude, parce que nous connaissons ça qui est passé déjà. Eh bien, il a fait choix avec Père Jean-Bertrand Aristide qui était remplacé Victor Benoît. Victor Benoît est venu accepter parce que il était ouais, vraiment c'est la seule solution pour que l'élection ça pour secteur du Haïtien, eh bien, il pas arrivé gagner l'élection ça. Comme ça, et Victor Benoît est venu à l'école et c'est comme ça. Nous cadeau Père Jean-Bertrand Aristide, monsieur était venu accepter pour aller dans Coustlan comme candidat à la présidence. L'élection était faite 16 décembre 1990 et c'est le à tout. Et nous cadeau Jean-Robert Sabala, eh bien, monsieur lit et bas résultat en faveur et Jean-Bertrand Aristide qui était prêt le ça. N'a quitté avec Jean-Robert Sabala côté monsieur Abay résultat élection et qui était organisé 16 décembre 1990 là. Les bureaux électoraux départementaux sont en train d'afficher des résultats définitifs. Une modification substantielle de l'écart séparant les candidats à la présidence de la République n'étant pas statistiquement possible, le Conseil électoral provisoire déclare que le citoyen Jean-Bertrand Aristide a obtenu la majorité absolue des voix exprimées. Le Conseil électoral provisoire présente ses compliments au président élu de la République, le citoyen Jean-Bertrand Aristide. Aux candidats et à l'électorat pour leur précieuse contribution à la réussite des premières élections libres et démocratiques de notre pays.